Les deux jeunes Russes qui vont terminer avec un total de points de 314,55. C'est plus de 15 de mieux que les Allemandes qui finissent avec 298,68. Les Ukrainiennes, elles, obtiennent un total de 292,17. Les deux jeunes Russes qui offrent donc une nouvelle médaille à la Russie. La Russie en tête au tableau des médailles dans ces concours de plongeon des championnats d'Europe de natation avec une 7e médaille ici. Les Allemands en sont également, la délégation allemande en est également à 7 médailles grâce à cette médaille d'argent de Fischer et Kodzian. Et les Ukrainiennes donnent à l'Ukraine leur 3e médaille. Jouer. Siesta. Souriez, vous êtes en Espagne. Eurosport.fr. Vidéo, audio, photo, vivez tous les grands moments sportifs dans la zone Media Center en un seul clic. Eurosport.fr, le site de tous les sports en direct. Ligue mondiale 2006, match numéro 8. Après 3 balles de match et une défaite au tie-break, les Français ont soif de revanche. Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver au Canet, à la Palestre, pour ce France-Italie. Un France-Italie qui nous sera commenté évidemment avec Gérard Castan. Bonsoir Gérard. Bonsoir Patrice, bonsoir à tous. Alors Gérard, on ne peut pas dire autre chose, hein. Même avec 3 balles de match, une défaite même face à l'Italie, c'est une déception. Oui, exactement. C'est vrai qu'on avait bien démarré le match avec un premier set exemplaire des Français et puis une petite déconcentration à la fin du premier set. Derrière, c'est vrai que ces 3 balles de match, elles restent en travers de la gorge des Français. Ils sont là ce soir pour prendre leur revanche. Alors, on va comprendre pourquoi c'est important. On va tout de suite jeter un coup d'œil au classement de cette poule C. Un classement qui a évidemment évolué par rapport à hier. Donc, premier maintenant, seul en tête, la Russie. La France est en deuxième position et donc officiellement toujours qualifiée pour le Final Six. Oui, effectivement, puisque en fait, dans cette poule, étant donné que la Russie est l'hôte de la finale de la Ligue mondiale, il suffit de terminer devant l'Italie et devant la Chine. Actuellement, la France est toujours bien placée. Vous avez vu, il y a 2 points d'avance. Une victoire ce soir, ça ferait 3 points. Donc pratiquement la qualification acquise pour l'équipe de France. Alors les Italiens, évidemment, vous en parliez à l'instant. On va s'intéresser à la composition de cette squadra azzurra. Alors, s'il ne faut retenir qu'un nom, ça sera celui de Michal Lajko, bourreau des Français hier soir ici même. Exactement, Michal Lajko qui est... Au début, au premier set, il est rentré juste pour faire 4 services. Le voilà, vous l'avez en antenne, vous l'avez sur l'image. Et puis en fin de set, il a remplacé Fay. Et là, il a été impressionnant. 15 sur 20 à l'attaque. Exceptionnel pour un attaquant de pointe. Et donc, on va voir si Gianpaolo Montali va le titulariser à la place de Fay. Mais dans tous les cas, on va retrouver les Mastrangelo, les Cisola ou bien Savani qui a également joué hier. On va voir, on n'a pas encore le 6 de départ de cette équipe d'Italie. Oui, on va s'y intéresser avec beaucoup d'attention évidemment. On va s'intéresser maintenant à la composition de l'équipe de France, une équipe que vous connaissez parfaitement, avec une mauvaise nouvelle Gérard, c'est qu'il y a une petite sciatique du côté de Stéphane Antiga qui ne sera certainement pas sur le terrain ce soir. Oui, donc on attend la fin de l'échauffement en fait pour savoir, mais de toute façon dans cette équipe hier on a vu qu'il y avait des possibilités avec d'autres joueurs, donc à savoir comment ils auront récupéré par rapport à l'effectif d'hier. Donc là aussi, on n'a pas encore le 6 de départ qui est décidé par Philippe Blin, mais on sait que les Français ont soif de revanche.
Et vous êtes à côté, je crois, de Philippe Blain. Absolument. Philippe, ça s'est joué à quelques détails. Hein. C'est toujours frustrant. Après avoir vécu et revu le match, quels sont ces détails? Oui, je pense qu'ils ont mieux joué que nous les certains points importants qu'on n'a pas su bien négocier. Puis surtout, en fin de rencontre, on n'a pas réussi à museler ce Lascaux qui nous a mis vraiment en difficulté. Mais bon, à la sortie, c'est vrai que ça se joue pas à grand chose. Au 6-7, ça se joue pas à grand chose. Bien entendu, on a tout le regret de ce premier set où on menait largement et on a re-rentré un petit peu les Italiens dans la partie. Et en revoyant le match, je pense qu'aussi gagner 3-1, il y avait la marge. Oui, il y avait la marge, c'est clair. Quelles sont les consignes spécifiques ce soir? Spécifiques, déjà, en premier lieu, c'est de retrouver une stabilité complète au niveau de la réception pour que notre système offensif fonctionne à plein régime. Parce que les Italiens, on sait très bien que dès qu'on a la réception moyenne, ça fait partie des meilleurs contres mondiaux, donc il faut vraiment qu'on soit très performant là-dessus. Et puis pas lâcher au niveau du service, même avec nos matchs et tennis, parce que quand même on les a mis en difficulté là-dessus. Donc maintenir des intentions pour leur mettre la pression et surtout améliorer notre arrière-défense qui n'a pas été aussi bonne que ce qu'elle est d'habitude. Eh bien, bonne chance. Merci. Vous le savez, ce soir, c'était le cas hier soir aussi, il y a un petit maillot. Merci Fred Accorsi à gagner. Regardez, c'est le maillot de l'équipe de France dédicacé. La question sera assez simple. La réponse, on vous l'a déjà donnée. Combien de fois la France s'est imposée en Italie il y a deux semaines? Zéro, une ou deux fois? Bon, c'est assez simple. Ce maillot est donc à gagner. Pas de partie sans arbitre. Gérard, je vous laisse nous les présenter. Oui, mais ça seront les mêmes qu'hier, donc avec M. Jokanovic qui sera ce soir le deuxième arbitre et M. Karam Petsos qui montera sur la chaise comme premier arbitre ce soir. Voilà, vous savez tout. France-Italie, c'est important. Match numéro 8 de cette Ligue mondiale. Peut-être que les Français peuvent assurer leur place dans le Final Six dès ce soir. On se retrouve juste après ça. Tout de suite. SPG et Tour dans la sélection du mercredi, seulement sur Eurosport. La sélection du mercredi, présentée par Rolex. La palestre au Canet, juste à côté de Cannes, juste à côté de la Méditerranée. La palestre qui a fait le plein. Et la palestre qui espère assister à la revanche des tricolores après une très courte défaite hier soir, ici même, Gérard, puisque la France s'est imposée après avoir obtenu, sans les transformer, 3 balles de match. Oui, c'est incliné malheureusement 3-7 à 2 puisque les Italiens reviennent un petit peu dans la compétition, même s'ils ont toujours 2 matchs de retard sur l'équipe de France. Ben, la clé, ce serait ce soir de terminer en battant cette équipe d'Italie qui permettrait à l'équipe de France de se qualifier. Mais bon, ça commence pas très bien, vous l'avez dit, avec Stéphane Antiga qui s'est bloqué un petit peu le dos avant d'arriver à la salle et donc qui ne pourra pas jouer ce soir. On va commencer par l'hymne de l'Italie. Italia. C'est au tour de la Marseillaise. Thank you.
Voilà pour des bleus, on l'espère revanchard, des bleus qui vont devoir se passer apparemment des services de leur capitaine exceptionnellement, puisque Stéphane Antiga souffre d'une sciatique, une sciatique qui s'est déclenchée il y a très peu de temps. Ah oui, en rentrant dans la salle, parce que moi dans le bus tout allait bien. On est arrivé ensemble et il y a un petit escalier là pour rejoindre les vestiaires, et en montant une marche, tout d'un coup il a senti une vive douleur dans le dos, et donc après Jean Tarbourier chez Jacques Blanc ont diagnostiqué une sciatique, donc impossibilité pour Steph Antiga d'être avec ses partenaires ce soir. Alors déjà qu'il manque Franck Grandborca, donc ça me nuise du côté français, mais espérons que, je pense qu'on n'est pas le 6, mais je pense que c'est Florian Quilama qui va le remplacer. Florian Quilama qui l'avait remplacé, oui, qui a un petit peu joué hier soir. Ouais, hein. Absolument. À noter aussi dans la catégorie infirmerie que Matej Černič côté italien souffre du dos, et il est très peu probable qu'on le voit sur le terrain aujourd'hui. Ouais, c'est sûr que ça fait quand même un petit moment que les organismes sont mis à rude épreuve dans cette Ligue mondiale. De match en deux jours, toutes les semaines, on en est à la quatrième semaine. Exactement, c'est le match numéro 8, je vous disais. Ouais, et donc, c'est vrai que les organismes sont un peu fatigués. Et là, ce matin, l'entraînement, tout allait bien du côté français, mais là, plus d'Antiga. Présentation du 6 de départ avec Gigi, évidemment. Avec aussi Savani qui va débuter, donc Vermiglio à la passe, Alessandro Fei, Cisola et Cozzi. Ouais, en fait, première indication, hein, on repart sur les bases identiques à hier, c'est-à-dire qu'on attaque avec Fei, avec la possibilité de faire rentrer Lajko comme super joker. Voilà, exactement, vous avez tout deviné, Patrice. Je pense que Montali a décidé de garder Lajko comme joker. Ça a bien fonctionné hier, il s'est dit on ne va rien changer. Côté français, Sébastien Ruette, Vince Momea, effectivement, Florian Quilama qui va remplacer le capitaine tricolore, Pierre Pujol à la passe aussi, Guillaume Samica avec la bise sur le front de Jean Tarbourierche, Oliver Kiefer et Jeff Exiga comme libéraux. Ah, c'est une équipe très jeune, hein, finalement, c'est Vince Momea qui fait... Il fait office de, ouais, dans cette... de doyen. Oui, vous lui direz ça. Ouais. Bon, on va lui rapporter. Oui, c'est sûr. Ah bah dites donc, Gérard, ça va pas mieux. Vous toussez. Ouais. À début de la rencontre, dans quelques instants. La France qui évolue en blanc, vous le savez. La France qui doit absolument s'imposer. La France qui comptait 4 victoires consécutives. Vous me direz, les Italiens sont dans une situation moins confortable avec 4 défaites consécutives. Ça, c'était avant le match d'hier, évidemment. Le premier ballon avec Flo Quilama. Corsano, Vermiglio. Première attaque et ballon touché par Pierre Pujol, mais qui ne sera pas ramené. Et le premier point pour la squadra. Oui, avec toujours des attaques très hautes à l'aile. On a vu juste le haut de la main de Ruette pour freiner un petit peu le ballon, mais suffisamment. Alors, on va retrouver les Italiens au service, alors que on va procéder à un changement côté français avec l'entrée de Ludo Castard à la place de Sébastien Ruette. Je vous avoue que Sébastien Ruette doit souffrir un peu du doigt. Ouais, et Ludo Castard qui est bloqué d'entrée. Alors que pendant ce temps-là, Gérard essaye d'organiser un petit peu problème technique de son. On regarde aussi ce qui se passe du côté de Sébastien Ruette qui apparemment se fait soigner la main. Ludo Castard, la deuxième attaque est la bonne. Celle-ci passe pour permettre aux Français de marquer leur premier point. Vous le voyez, Sébastien qui souffre un petit peu du doigt. On voit un peu de sang sous les pansements. On va essayer de se renseigner, de vous tenir au courant. Et oui, en fait, quand je vous ai dit qu'il avait pris la balle dans le haut des mains, ouais, le doigt a explosé. Le doigt a lâché. Et un point de plus pour les Italiens.
avec cette attaque bien croisée. On va retrouver Alessandro Fei. Kilama, Pujol. Et l'attaque d'Oliver Kiefer pour ramener les Français à un petit point. Là, je peux te parler ? Valerio Vermiglio pour la stabilité de la passe italienne. On va retrouver leur capitaine, Alberto Chisol. C'est bien servi ça. Pujol. Kilama en pipe. Les Français qui ne lâchent rien. C'est une combinaison qu'ils font souvent à Poitiers. Et donc on risque de la voir assez souvent. Ça va peut-être mettre un peu de pression sur le contre-centre italien. 4-3, ou plutôt 3-4. La France au service. Avec la bande du filet pour Guillaume Samica. Ballon freiné. Oui, c'est sauvé. Flo Kilama qui peut attaquer. Ballon toujours dans le camp français. Oh, c'est bien joué avec Oliver Kiefer. Bon réflexe des tricolores et bonne prise d'initiative. Ouais, ballon bien freiné. Et la belle défense de Ludovic Castar. Partout. Oui, c'est bien servi ça. Ballon qui va être rendu aux Français. Ils vont pouvoir développer leur attaque. Block out. Et voilà les Français qui passent en tête. Bon entame de match. Donc on vient de revoir au ralenti ce block out et que comme promis, oh c'est bien servi ça encore. Vermiglio. Ouais, cette fois l'attaque fait mouche. On en parlait avec Guillaume Samica qui est remonté comme une pendule. Alors dans la série les mauvaises nouvelles, Gérard, on a vu la blessure dès le premier ballon de Sébastien Ruette qui est ouvert en fait entre deux doigts et qui va très certainement devoir être recousu. Encore un coup dur pour les Bleus. Et l'Italie qui en profite pour reprendre les commandes. 6-5. Gigi Mastrangelo. Exiga. Pujol. Castar. Ouais. Ça passe. Ça passe au poste 2 pour Ludo Castar et qui permet aussi un d'égaliser à 6 partout. Ouais, j'ai regardé du côté de Ruette, en fait le problème c'est que c'est en main droite. Alors quand il nous arrive ce petit problème, c'est gênant au contre quand il s'agit de la main gauche, mais pour un droitier évidemment, il peut pas chaque fois qu'il va frapper dans la balle, ça va s'ouvrir un petit peu, à part de solidariser complètement les doigts de la main pour essayer de continuer à jouer, ça va être difficile. Ouais, c'est bien, belle patience et belle séquence défensive des Français. Avant de trouver la solution avec Flo Kilama sur le block-out, la main extérieure de Vermiglio. Les Français au service, Oliver Kiefer, Chisol, Vermiglio, Fei, c'est bloqué. Corsano, les Italiens qui ne savent plus trop où est le ballon, ils vont le rendre aux Français. Allez, il faut marquer ce point-là. Aïe, 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 Vince. Ouais, petit problème de coordination dans la passe Pujol-Montméa. Regardez. Et pourtant, ils se connaissent, hein, ces deux-là. Valerio Vermiglio, 7 partout, première manche. Service assez court. Guillaume Samica qui attaque dans le fil. Et finalement, eh bien, c'est l'Italie qui va virer en tête lors de ce premier temps mort technique, alors que les Français avaient la possibilité de tourner à 8-6. Il n'en est rien, c'est 8-7. Pour l'Italie. Ça va dire, on va le massacrer sur ballon. On va le massacrer. Il faut tromper tard et en face. Et on doit vraiment le massacrer. C'est un putain de client, lui, il ne faut pas qu'on le lâche. Hein, pensez, tout ce qui est phase de relance, tout ce qui est phase de réception, véhiculer au centre. Hein, on va voir et on va travailler là-dessus. Faites les efforts là-dessus, il faut que les ballons ils viennent en permanence. Hein, le discours de Philippe Lain, vous l'avez...
avez entendu comme nous quelques consignes spécifiques à l'intention d'Oliver Kiefer. C'est Olivier Lecas qui s'occupe de Flo Kilama. Olivier Lecas qui sera son entraîneur cette saison à Poitiers. Et on en profite pour vous rappeler qu'il y a un maillot à gagner alors qu'on est en train d'ausculter la main droite de Sébastien Ruette. Quelques nouvelles supplémentaires, Gérard? Oui, en fait, il faut qu'il parte à l'hôpital se faire recoudre parce que d'abord, il ne peut pas jouer. Et puis, pour essayer de cicatriser au plus vite parce qu'il y a quand même des matchs qui arrivent. Donc, beaucoup de problèmes côté français avec l'absence de Grand Borca, la blessure d'Antiga en arrivant à la salle. Et puis maintenant, la blessure de Ruette. Ballon qui est rendu aux Français. Pujol. Castard, belle attaque de Ludo Castard. Beaucoup de puissance, beaucoup d'élan aussi. Ludovic Castard, 1m95 pour celui qui évoluera à Paris la saison prochaine. Il évoluait à 7 la saison dernière. Pierre Pujol. Un service un tout petit peu trop long pour le Poitevin. Et toujours un petit point d'avance pour les Italiens. 9-8 lors de cette première manche. Savani. Exiga. Pujol. Oui, Kilama, mais Corsano qui trouve la solution. Et un petit peu gourmand. Cisola qui attaque dehors. C'est vrai que c'était pas le ballon le plus facile à attaquer. En tout cas, superbe défense hein, de Mirko Corsano, le libéro italien. Vermiglio. Et peut-être possibilité de jouer encore ce ballon. Fey, ballon freiné. Et Flo Kilama là qui a réagi un tout petit peu trop tard. Difficile, il était vrai. Il est vrai, il était masqué. Ouais, ballon touché par les mains de Guillaume Samica, mais qui est le ballon hors de portée de Kilama. Kilama à la réception, Pujol. Samica, ballon qui est défendu côté italien. Monmea, Castard, qui joue avec les mains. Mastrangelo qui va ramener ce ballon probablement. Monmea. Castard, block-out. Ah, il faut être solide hein, parce que les points sont chers en ce moment. Ouais, les échanges durs, ces Italiens sentent qu'ils ont la possibilité avec tous les problèmes des Français de recoller. Et donc les échanges durs, beaucoup de défense des deux côtés. Et finalement, la France qui conclut. Vermiglio, Fey. Voilà, belle attaque d'Alessandro Fey au poste 2, main droite. Pour le 11e point. Ah oui, ça ne pardonne pas la réception directe dans le camp italien. Et Gigi Mastrangelo. Ouais, sur ses frappes très fortes, il faut surtout chercher à garder le ballon. Dans son, il a mal à trop attaquer. Trop attaqué, c'est ce que vient de faire Alessandro Fey aussi sur ce service. Toujours un point d'écart entre les deux formations. Ludo Castard. Bien servi. Cisola, pas de problème à la réception. On joue vite. Exiga. Possibilité d'attaque avec Guillaume Samica. Dommage. Dommage parce que quelle défense de Jeff Exiga. Ouais, elle était très belle. Le sourire de Gigi. Ouais, en fait, il faut être patient. C'est ce que dit Philippe Blain ce matin. Il faut être patient. Et là, Guillaume Samica n'a pas été patient. Il s'est utilisé de redonner le ballon pour attendre un petit peu. Guillaume Samica maintenant, Corsano qui remonte ce ballon, Vermiglio au poste 4, les Français qui sont présents au soutien, Kilama au 3 mètres, Corsano encore, Vermiglio derrière lui, Fey au 3 mètres, mais le bloc, et oui le bloc pour les Français et le point. Ah, vous avez dit c'est dur à gagner les points, mais celui-là il est également difficile, ah oui, heureusement qu'il y a le contre-français pour terminer cet échange. Les Français sont toujours là. Oui, oui. Et les pépins de ce début de set. Guillaume Samica. Ah, il a pris des risques sur ce service.
Mais il faut faire attention à ne pas faire trop d'erreurs. Il vient de faire une faute à l'attaque, faute au service. On rappelle que ce match est le match de la semaine pour la FIVB. Il sera retransmis. Il est retransmis dans plus de 30 pays. Oui, encore le blocage. Nilo Castar qui le trouve bien en ce moment. Ça fait plaisir. Toujours un point d'écart entre les deux formations. Oliver Kiefer avec ce service tennis qui gêne la réception italienne. La preuve. Samika. Oui, on joue vite avec Monmea au centre, mais ça ne suffit pas. Oh, le bloc, il est énorme. Celui-là, il suffit. Ah, ça nous donne de beaux échanges. Ah, c'est superbe. Ah oui, bien joué. Et s'en voulait un petit peu Vince Monmea de ne pas avoir pu conclure sur son attaque précédente. Oui. Oh oui. Un peu de réussite. Beaucoup, beaucoup. Ça fait jamais de mal. Le filet qui est français. Normal, nous sommes au Canet. Avec ce service d'Oliver Kiefer, voilà, avec la caméra qui est placée juste au-dessus du filet. Oui. Merci, merci Fred G et les moyens d'Objectif Sud. Allez, un petit point d'avance pour les Bleus maintenant. 15-14, ce serait pas mal si vous pouvez passer en tête au deuxième temps mort technique. Vermilio. Oui, mais c'est compté sans la détermination de Kozzi au centre. Pas content notre ami Kozzi. Paolo de son prénom. Vermilio au service. Ah, attention, oui. Ça c'est Nilo Castar qui jusqu'à maintenant avait plutôt bien joué le coup à la pointe là-bas au poste 2 et qui là s'est fait attraper et finalement 16-15 en faveur des Italiens qui sont donc les leaders pour l'instant d'un tout petit point lors de cette première manche. Allez, on vous rappelle qu'il y a un maillot dédicacé de l'équipe de France à gagner. Pour jouer, il vous suffit d'envoyer un SMS à la question suivante. En Italie, les Français ont-ils gagné deux fois, une fois ou pas de fois? Autrement dit, si vous pensez qu'ils n'ont pas gagné, VB espace 0. Si vous pensez qu'ils ont gagné un match, VB espace 1. Si vous pensez qu'ils ont gagné deux matchs, VB espace 2. La question est des plus faciles. Donc n'hésitez pas à envoyer la réponse au 6-37-38 parce qu'il y a un beau maillot dédicacé de l'équipe de France à gagner. L'équipe de France qu'on espère retrouver évidemment en phase finale lors du Final Six de cette Ligue mondiale 2006. Des Français qui, dans leur histoire, ont participé à deux finales. C'était en 2001 en Pologne et en 2002 au Brésil. Et le regard bleu d'Alberto Cizzola. Le capitaine de cette formation italienne, Cizzola, médaillé d'argent au JO, champion d'Europe évidemment, l'année passée. Ouais, c'était difficile, mais Kilama a su... Une faute de Pierre Pujol sur cette passe arrière. Et Pierre Pujol qui s'essuie les mains. Pourtant, l'air conditionné a été installé à la palestre. Plus 2. Allez, allez. Ça s'enchaîne les fautes trop vite. Mais on sait pourquoi, hein, parce que Ludo Castar qui avait trouvé la solution vient de se faire bloquer et là il a eu peur du bloc italien. Résultat, il y avait 16-15, on se retrouve à 18-15. C'est pas le bon moment. À nous, et à pas à nous d'enchaîner les fautes, hein. On reprend, on repositionne dessus, hein, et on va repartir avec ça. Hein, ok, allez. C'est un coup de jeu, encouragement, applaudissement pour l'équipe de France. On va repartir. C'est le vœu de Philippe Blanc. C'est les yeux d'Alain Fabiani. Alain Fabiani qu'on a croisé... sur la plage à midi, très élégant comme d'habitude.
la plage des volleyeurs. Et bien attaqué ça de la part de Flo Kilama pour ramener l'équipe de France à deux longueurs. Ouais. À deux longueurs, et maintenant il faut mettre un petit peu de pression sur la réception des Italiens pour essayer, pour espérer recoller petit à petit. On compte sur Pierre Pujol. C'est pas mal. Voilà, on va jouer Balotte. Feil. Feil qui attaque dehors, mais ballon touché par Vince Montméa, parfois surnommé Montmite. Ouais, ça c'est trop long, c'est sûr. Sauf que les Français sont toujours à deux points et qu'on en est à 17-19. Allez, une petite série pour Kilama. C'est pas mal ça. Et le ballon va revenir. Jol, qui Ziga. Oh oui, oh oui. Parce que ce n'était pas simple. Là, on a tremblé lors de cet échange, Gérard. Ouais, avec Jeff Exiga qui s'applique pour redonner le ballon à Guillaume Samica. Et cette fois-ci, Guillaume Samica trouve la parade en jouant le fond du terrain, bien haut. Le ballon freiné, mais la puissance italienne et notamment la puissance de Paolo Cotti suffit. Alors attention, gaucher redoutable est en train de faire son apparition sur le taraflex de la Palestre. Ouais, et le gaucher redoutable, c'est Michal Dajko. Même stratégie qu'hier, hein, à peu près au même moment, mais c'était la France qui était en tête de 4 points au moment où il était rentré. Il avait réussi à recoller. Ouais, ça c'est bien, c'est superbe, hein, parce que superbe réception de Jeff Exiga, beau travail de Pierre Pujol parce que le ballon n'était pas forcément très simple. Regardez d'une main pour Guillaume Samica. Le filet est toujours français pour l'instant. Frangelo à la passe. Oui, faille qui la trouve. Ouais, avec un petit peu de réussite ce ballon dans le haut des mains des Français. Et qui vient mourir entre Oliver Kiefer. Kilama. Jol Kilama qui est pris. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Les Français qui étaient de nouveau complètement dans ce premier set et là qui viennent d'encaisser un contre asséné. Ah oui, vous voyez, avec Gigi Mastrangelo. Avec des joueurs italiens qui ne sautent pas sur les fixations. Donc il aurait mieux essayer de jouer vite à l'aile. Voilà, comme là avec Ludovic Castard pour essayer de surprendre ce contre parce qu'il joue toujours en réaction. Alors si vous jouez plein centre, une pipe, ben après il faut que ce soit l'attaquant qui se débrouille. Et Florian Kilama n'a pas pu le faire. Deux points, allez, il faut recoller tout de suite. Ludovic Castard. Chisola. Vermilio. Exiga encore. Samica. Le ballon toujours en jeu. Vermilio qui va dresser ce ballon à Faye. Quelle attaque, Exiga. Pujol. Castard. Oh oui, c'est bon. Oh oui, c'est superbe. Quelle défense d'Exiga. Deux fois de suite, Exiga qui récupère le ballon et qui permet à Castard de terminer. Regardez la défense. Jeff Exiga. Ouais, avec Alex Savani qui dit mais non, mais j'aurais pu prendre ce ballon. Et oui, bah bien sûr. Ah, avec des bras de 2,50 m, il aurait pu le faire. Bisogna di loro qua adesso, qua, il presentatore in posto qua, va benissimo, eh? Attenti sulle cose da fare, il muro sul posto qua, lo facciamo ancora il cambio se capita. Quando l'hai voluto, è stato verso l'interno, eh? Dritto gli altri due palloni massimo. Le consigne di Gianpaolo Montali, l'attacco di Fay, le bloc. Ça c'était un petit peu plus tôt lors de ce set. Ah, les Italiens comme les Français hein, qui se battent sur tous les ballons. Les Français, je vous le rappelle, qui doivent faire sans leur capitaine, Stéphane Antiga qui souffre d'une sciatique, sans non plus Sébastien Huet blessé en tout début de match. Oh, aïe aïe aïe, Ludo Castard. Petit péché de jeunesse, Gérard.
Ouais, exactement, il a cherché le haut des mains. Regardez, il y a 3 contre 1. Hein. Il ne cherche pas à mettre le ballon dans le terrain. Il cherche à toucher le haut des mains et il l'a raté. C'est dommage, ça pouvait faire 22 partout. Ça fait 23-21 pour l'Italie. Ballon important. Ah, il est bien servi. Quilamin à la réception. Quilamin encore. Pujol. Castar, voilà. Il faut mieux qu'il cherche la cible, Ludo Castar, parce qu'il la trouve. 22-23. Sauf que maintenant, les Italiens vont réceptionner un service français qui pourrait obtenir sur ce ballon une balle de 7. Ouais, Luigi Mastrangelo. Ah, dès que la réception s'approche du fil, que ce soit Cozzi ou Mastrangelo, regardez la hauteur d'intervention. En plus, il se déplace très vite. Difficile d'aller au contre chercher la hauteur de ses joueurs. Attention, balle de 7. Gigi va lâcher le bras. Mastrangelo. Pas toujours très régulier, mais très puissant. Non, finalement, il a assuré ce service. Il y a Gigi qui râle, qui dit mais j'avais remonté ce ballon. Avec Bernard Laporte, ça pourrait passer, mais au volet, ça passe pas. Bon, mais ça ne solutionne pas totalement le problème des Français, Gérard, parce qu'il y a toujours un petit point d'écart et c'est une nouvelle balle de 7 pour les Italiens. Oui. Ah non, le ballon qui ne reviendra pas malheureusement. Et cette deuxième balle de 7 est la bonne. Et l'Italie qui empoche la première manche, 25-23. Confirmation, on le savait, ce match sera difficile. D'autant plus difficile que les Français sont quelque peu handicapés. On va se quitter quelques instants simplement et puis on se retrouve en direct sur Eurosport pour le début de la deuxième manche. A tout de suite. Les pilotes l'appellent le tourniquet. Sur la piste du Hungaroring, les dépassements sont très difficiles. Les écuries vont devoir adapter leur stratégie pour contrôler la course. Mais Alonso et Schumacher veulent faire de ce 13e rendez-vous un tournant dans la saison. Les qualifications seront essentielles pour prendre une bonne place sur la grille et espérer la victoire pour certains, un podium pour d'autres. Grand Prix de Hongrie. Vivez ou revivez la course ce soir à 21h30 sur Eurosport. Vivez toute l'intensité de la F1 avec les shampoings traitants Elsève antipelliculaire intensif. Avec Sport Auto. Jouer. 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 Siesta. Souriez, vous êtes en Espagne. Les Morses m'ont toujours intrigué. Et ils s'entraident énormément, un peu comme une famille. Observez une Morse femelle avec son petit, le lien qui les unit est extraordinaire. Elle étreint exactement comme une femme étreint son bébé. Et lorsqu'ils se frottent moustache contre moustache, on dirait vraiment qu'ils s'embrassent. C'est quelque chose d'extraordinaire à filmer. Savourez votre voyage avec Orange. De retour
sur la palestre au Canet avec ce match France-Italie. Pour l'instant, avantage à l'Italie qui vient d'empocher la première manche sous le regard de Vicarava et de monsieur. À mes côtés, la députée maire du Canet, Michel Tabarot. Merci de passer au micro d'Eurosport. Merci. Alors, cette palestre, c'est un lieu polyvalent. On peut organiser toutes sortes de choses, des concerts, du sport. Il y a beaucoup de sport. C'est, absolument. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Tout à fait. Nous aimons beaucoup le sport et nous avons accueilli au mois de juillet un grand événement sportif avec une réunion de boxe avec Brahim Asloum, avec Fabrice Ciozo, Myriam Lama. Grand rendez-vous annuel. Et pour vous, le sport c'est important, mais le volet, il y a un petit... Il y a un attachement particulier au volet. Oui. Vous savez que nous avons dans notre équipe Alain Fabiani qui est venu nous rejoindre. Et c'est vrai que c'est un sport que nous aimons particulièrement. Et nous avons maintenant une équipe de filles aussi qui marche pas mal. Donc nous sommes ravis de pouvoir développer le sport dans notre commune. Ravis, j'imagine, aussi avec le succès, parce que la palestre est pleine aujourd'hui, était quasi pleine hier. Absolument. Et puis bonne ambiance. Et nous croisons les doigts. Oui, qu'est-ce que vous en avez pensé hier du match? Ah, écoutez, le match était très beau hier. Je suis arrivée malheureusement un petit peu en retard, mais j'ai suivi ces 5-7 avec beaucoup d'enthousiasme. Un petit pronostic pour aujourd'hui? Ah, écoutez, ils sont battants. C'est vraiment une équipe qui est impressionnante, beaucoup de jeunes et bien entendu, on leur souhaite une grande victoire, ils la méritent. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres événements là qui arrivent très prochainement pour ce lieu? Des concerts, on va changer un petit peu. On va passer à quelque chose d'un peu plus culturel. Absolument, à la fois les Lords of the Dance et Rock Voisine qui viendra à l'automne. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on sera là pour Rock Voisine. En tout cas, avec merci plaisir. Beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation, bon travail et profitez du soleil parce qu'il fait beau. Oui, absolument. Merci bien. Merci. Bravo. 2-1, c'est le score pour l'instant de ce deuxième set. Avec Vince Monmea, Pujol, Flo Kilama du bout des doigts, mais c'est pas terminé. Ballon qui va revenir. Pujol, Gastar. Quelle défense encore des Italiens. Chisola. Ah oh oui, et c'est l'Italie qui trouve la solution au terme d'un échange superbe, très long. Et c'est ce que nous disait effectivement Michel Tabarot. Il y a deux équipes très combattantes. Hein. Exactement, avec beaucoup de défense. Et puis pour terminer, Oliver Kiefer, petit problème de placement au contre. Regardez, il est trop loin du filet. Vous voyez où il retombe et donc il y a la place pour que le ballon passe. Et la place pour l'égalisation des Italiens, de partout. Alessandro Fei. Ah, c'est bien servi. Samica, Pujol. Pour Samica encore. Ballon qui va revenir. Castard. Pujol derrière lui pour Ludo Castard. Oui. Ah, il faut travailler hein, pour marquer les points en ce moment. Rien n'est simple. Mais la France est devant. 3-2. Ludo Castard. Chisola, oui, qui rend ce ballon, voilà, il faut s'en occuper. On a vu l'excellent service tennis de Ludo Castard qui a bien gêné Chisola. Et derrière Kiefer qui enchaîne. Premier mini break pour les Bleus. Sur des joueurs comme Chisola, le service tennis peut être une arme également. Ouf, à condition de ne pas rater le service. Oui, mais bon, on ne peut pas lui en vouloir hein, parce que le précédent était superbe. 4-3, c'est le score de cette deuxième manche pour l'instant. On va retrouver justement Alberto Chisola, on en parlait à l'instant, au service. Alors, les Français l'ont vu dehors, les Italiens dedans, bon ça c'est un classique. Pour ma part, Gérard, je dois vous le dire, moi je l'ai vu dedans ce ballon. Il y a un juge de ligne. Non, il est dedans. Il est dedans. Oui, oui. Il n'y a aucune contestation. Ouf. Bon, ça, c'est compliqué parce que Jeff Exiga s'était bien jeté. Mais là, petit problème de synchronisation. Et personne pour récupérer le ballon derrière. Et Chisola toujours au service. Et la tension qui gagne Philippe Lain. Kilama. Pujol. Castard au-dessus, Fei. Et là, des Français qui connaissent une période difficile. Ils menaient 4-2
Oui, il y a des problèmes de réception, des problèmes de liaison passeur-attaquant avec sur la dernière attaque de Castard, en fait un ballon un petit peu trop loin. Castard qui n'a pas pu attaquer, qui a redonné le ballon. Et quand on redonne le ballon aux Italiens, voilà ce qui arrive. Une bombe atomique qui met Quilama sur le derrière. Oui, oui. Flo Quilama chahuté comme cette équipe de France qui vient d'encaisser 4 points consécutifs et qui est donc désormais mené 6-4. On va écouter Philippe Blin. Ne cherche pas à le démarquer, cherche juste à le mettre dans des conditions. Voilà, hein, jusqu'à ça. Voilà, la dernière, tu l'as un peu forcé, elle est partie. Donc, 4 conditions. Il continue à travailler, t'entends des balles rapides pour ça, comme ça, ça te permettra de faire des surcharges aussi et t'entends des pages dessus. Hein, il est obligé de travailler aussi là-dessus. Hein, d'accord. Même surprise de relance. Mort exclusivement réservé à Pierre Pujol pour réorganiser la distribution offensive de l'équipe de France en difficulté. Je crois qu'il menait 4-3 et puis que 4-2 même. 4-2. Voilà. Donc, oui, oui. On va encaisser un 4-0. Toujours Chisola au service. Oui, on espère que cette série va s'arrêter le plus tôt possible. Quilama, Pujol, Castard. Oui, le block-out pour Ludo Castard et la fin de la série, effectivement, et le cinquième point, les Français qui reviennent à une longueur des Italiens. Ludo Castard était bien décalé, là, on voit sur ce plan. Guillaume Samica au service. Ah, il a pris des risques. Trop de fautes, hein. On n'a pas eu le temps de voir les statistiques. Mais... Non, mais on regardera ça. C'est vrai qu'il y a un peu trop de fautes du côté français. Mastrangelo. Vous voyez, il y en a aussi du côté italien. Gigi sur le banc pour l'instant. Ludo Castard, lui, attend éventuellement un ballon. Savani bloqué, mais beau soutien derrière. Pujol de nouveau. Oui, pour Guillaume Samica en pipe, pour égaliser à 7 partout. Sept partout. Et le huitième point pour l'Italie qui, une nouvelle fois. Alors jusqu'à maintenant, ce sont toujours les Italiens qui ont viré en tête lors des temps morts techniques. C'était le cas lors des deux temps morts de la première manche. C'est le cas lors de ce premier temps mort de ce deuxième set. Alors pendant que Gianpaolo Montali lui donne, distribue ses consignes, nous on vous rappelle la question SMS pour gagner un maillot dédicacé de l'équipe de France. Vous pouvez voter au 6-37-38. Pour gagner ce maillot, c'est très simple, il suffit de répondre à la question suivante. Combien de victoires a obtenu l'équipe de France en Italie? Si vous pensez que c'est 0, VB espace 0. Si vous pensez que c'est 1, VB espace 1. Si vous pensez que c'est 2, VB espace 2. C'est très facile. N'hésitez pas à jouer. Et regardez Philippe Blin, lui. Il veut de la hargne, il veut de la revanche, il veut de l'énergie, Philippe Blin, parce que ces Français ont eu plusieurs fois l'occasion de s'imposer hier lors du match perdu après 3 balles de match. Jeff Exiga le sait. Ouais, bien joué le haut des mains de Florian Quilama. Ah, les Français qui sont toujours dans la partie, mais ils ont du mal à passer devant. Mal à s'échapper, ils ont du mal à s'échapper, ouais. C'est ça. Ah, il faut dire que on va échapper à la malédiction, hein, entre le départ d'Antiga. Il y a deux blessés, Sébastien Ruette sur le premier ballon qui s'ouvre le doigt. Ouais, faute de filet, effectivement. Qui commet la faute, demande Vince Montméa, et il dit non, non, c'est pas nous. Hein. Ah, je vous avoue que nous on est placé dans l'axe du fil et je n'ai pas vu qui a commis cette faute. Exiga, Pujol, on joue vite avec Vince Montméa au centre. Ouais, avec Exiga qui est passé devant Florian Quilama, oui, pour aller prendre cette réception. Et il a bien fait.
9 partout, deuxième manche. Kilama au service. Chisola. Ouais, Chisola qui attaque dehors. Un petit peu long, oui. Cette attaque un petit peu longue et les Français qui sont devant. C'est pas mal. Kilama. Trop court. Un petit peu trop d'erreur au service côté français. Dans la rotation, on a Kassar qui a raté, Samika qui a raté, Kilama qui a raté. Ça fait un petit peu beaucoup. Pujol. Ouais, c'est bien ça pour Guillaume Samika parce que pas forcément facile à négocier ce ballon. Mais ça a été fait à merveille par Samik. Moméa sur Corsano. Fermilio pour Chisola qui est bloqué par Ludo Castar qui a bien joué le coup. Elle est française avec deux points d'avance, 12-10. Moméa avec le fil, Corsano. Fermilio en manchette. Chisola bloqué une première fois. Corsano qui va ramener ce ballon. Ah, pas vraiment, oui. Séquence pour les Français avec cette ace, ballon qui vient mourir entre les réceptionneurs italiens et surtout entre les réceptionneurs italiens et la ligne. Bref, le triangle des Bermudes. Et un beau triangle pour l'équipe de France qui permet aux Bleus de mener 14-10 et ce qui oblige Gianpaolo Montali à prendre un temps mort quelques minutes avant le deuxième temps mort technique. Lorsqu'on regarde les meilleurs marqueurs hier, hein, je vous rappelle, Sébastien Ruet, donc il ne pourra pas jouer ce soir avec 20 points. Et Stéphane Antiga, 18 points. Ce sont les deux meilleurs marqueurs français hier qui sont absents ce soir. Tous les deux sur blessure, tous les deux dans des circonstances différentes. Côté des meilleurs marqueurs italiens, il y en a beaucoup. Hein, avec Lachko, évidemment, 16 points, 14 points pour Tchernic, 14 points pour Alessandro Fei, 13 points pour Cozzi. 12 points pour Mastrangelo, 11 points pour Chisola et Savani. Alors que vous avez aperçu notre statue grecque, le capitaine de l'équipe de France, qui pour l'instant ne peut pas bouger justement comme une statue, puisqu'il a mal au dos. En fait, c'est une sciatique qui s'est déclenchée juste avant le début de cette rencontre, avant quelques temps avant l'échauffement. Pujol. Et Kilama, mais ballon défendu par Corsano. Attention, Faye qui va attaquer. Pujol derrière lui. Ballon toujours dans le camp français. Pujol devant pour Castar. Bloqué. Kilama. Pujol cette fois pour Samika qui marque le point. Eh oui, Gigi Mastrangelo qui sourit. C'est vrai qu'il a les contres à gauche, qu'il a les contres à droite. Il pensait pouvoir terminer malheureusement. Pour lui, et heureusement pour l'équipe de France, le ballon est tombé dans le camp italien. C'est ça. Ludo Castar. 15-11. Kilama, attention. Kilama encore. Kiefer. Samika qui va rendre le ballon aux Italiens. Mastrangelo. Ouais. Ça suffit pas. Gigi. En tout cas, tout ça fait bien rire les arbitres. Eh oui, le voici Gigi. C'est le favori de Fred G et du bus magique, Gigi Mastrangelo. Ouh, Kilama. Pujol qui va aller chercher ce ballon, attaque très haute évidemment. Oh oui, Ludo Castar et bim, il s'en sort. Ouais, elle n'était pas facile, ah elle de derrière. Cette passe de Pierre Pujol pour Ludovic Castar, regardez. Et Ludo qui arrive à la prendre très haute. Chisola ne peut pas sortir de la trajectoire. La France en tête à 16. C'est bien, plus 4, 16-12, on le sait. Ce n'est pas suffisant, mais ça fait du bien. Adesso, per recuperare questo break,
Oui, Gérard, vous vouliez envoyer un message. Oui, je voulais dire un petit mot pendant que Giampaolo Montali parle pour l'Italie. Un mot au nom de la famille du volleyball pour Jean-Michel Vandelanotte. C'est un ancien joueur de l'équipe de France qui cette semaine a eu la douleur de perdre son fils Corentin qui était âgé de 14 ans. Donc on pense beaucoup à lui, à son épouse et à leur famille. Évidemment, une pensée toute particulière. Ce moment, plus que difficile. 16-12, c'est le score pour l'instant lors de ce deuxième set. On vous rappelle que ce sont les Italiens qui ont empoché la première manche. 25-23. Ouais, très juste, hein, parce qu'on sait que l'Italie a été détachée dans ce premier set et puis finalement les Français n'étaient pas très loin. Non. Donc plus petite démarche, un petit peu comme hier. Beaucoup de sets avec deux points d'écart. Ben, hier c'est simple. Hein, Gigi qui attaque dehors. Oui, sur les 5 sets de jouets de mémoire, il y en a 4 avec 2 points d'écart. Exactement. Malheureusement, sur ces 4, il y en a 3 pour l'Italie. Parce que vous savez quoi, lorsqu'on regarde le total des points marqués sur les 5 sets, eh bien égalité parfaite, 120 exactement. Points marqués de chaque côté. Mais il fallait un vainqueur, et le vainqueur, ça a été Montali. Et l'Italie. Et l'Italie. Samica. Fay bloqué, mais block out. Et toujours 4 points d'écart, 13-17. Sur cette attaque d'Alessandro Fay. Gigi, c'est aussi le favori du public. Exiga. Un énorme bloc. Exiga qui va le prendre en manchette. On rejoue sur Oliver Kiefer, pareil au centre. Ouais, la première main. La première main de Vermiglio. Ouais, il la cache bien cette première main parce qu'il a les deux mains placées comme pour faire la passe. Vous voyez ? Et hop, il pose le ballon de l'autre côté. Alors évidemment, ça va très vite. Vous voyez ? 14-17. Mastrangelo qui est un petit peu plus assuré. Et le ballon qui va revenir. Oh oui, mais le bon réflexe. Ah, c'est pas fini, si. Voilà, le bon réflexe de Oliver Kiefer. Qui a dit non, pas maintenant. Pas maintenant. Et Vermiglio, toujours, qui dit toujours, mais non, c'est pas moi. Il en a un petit peu après Xiga qui manifeste sa joie, mais il n'a pas manifesté sa joie en regardant. Non, mais Xiga, les Italiens. C'est un Sancho, c'est un Corse. Il manifeste sa joie. Ouh, belle attaque. Celle-là, rien à dire de Savani, le joueur de Trent. Pierre Pujol qui s'en veut. 18-15, plus 3. Un petit peu de ligne et c'est trop. Vermiglio au service. Castar, c'est bien attaqué ça. Avec une réception à deux mains, vous l'avez vu, de Flo Quilama. C'est bien parce que c'est le 19e point. Et ça garde les Italiens à 4 longueurs, c'est important. C'est important dans la perspective d'égalisation, hein. Une manche partout évidemment. Pujol. Un petit peu trop croisé, ouais. Ce service. Un changement côté italien avec le retour de Cisolla. Ouais, qui avait été remplacé par Paparoni pour les postes arrière pour la réception. Et Cisolla qui retrouve son poste au filet. Ouais, Paparoni qui avait fait office de libéraux, hein, en l'absence de Corsano. Ben voilà, des services comme on les aime à l'italienne. Ouais, par contre, hier, lui, sur la balle de match, il a mis un canon. Ah ben oui. Et c'est comme ça que le match s'est terminé hier. On s'en serait passé de celui-là. De Savani. Flo Quilama. Corsano. Vermiglio. Fay bloqué. Oui. Le contre français qui fonctionne mieux, hein, déjà depuis plusieurs minutes, de longues minutes, et c'est tant mieux. 21-16. Quilama. Oui. Le 17e point pour les Italiens. Toujours 4 points d'écart entre les deux formations. Attention, entrée de Lajko. Attention parce que, je vous le disais tout à l'heure, ce gaucher est dangereux.
Voilà, il rentre pour le service. Hier, ça avait marché au premier set. Ah oui, il a une mission, hein, c'est ramener l'Italie dans ce deuxième set. Et si possible, ramener l'Italie au service, pourquoi pas. Exiga. Pujol, oui, oui, oui!